Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Oh merde, c'est quoi ça? Nous allons partir sur je ne sais pas quel jeu. On va partir sur Trackmania. Ouais, ah ouais. Merde, c'est chiant, c'est. Ouais, faut que je remonte un peu. Je me mets comme ça, voilà. Très bien. J'ai l'impression que là c'est trop haut et là c'est ça va en fait. Nickel. Nickel. Et la photo de profil, on va la laisser les gens, c'est ça que j'avais mis de base déjà au début de la chaîne. On va le laisser. Attendez, je vous passe les réseaux. Et après on va partir sur, sur Trackmania. NPC. Je vais me dire si ça fait bien, je vais enlever tout. Tout ce qu'il y avait en haut, on a viré, j'ai mis comme ça. Comme ça, comme ça. Tac. On a tout viré. J'espère que ça fera bien. Ah, attendez. Non, il n'y a pas de souci. Ah, c'est la fenêtre. Putain, je crois qu'il y avait un souci avec la caméra, c'est la fenêtre. Je vais dire si ça fait bien ou pas, sinon je remodifierai. Je remodifierai. Ah bah j'ai pas mis de musique. Excusez-moi, on n'a pas mis la musique. Non, c'est pas ça, c'est Pretzel. Il me l'a pas ouvert. C'est juste un fond, on s'en fout. C'est juste pour un fond de musique. Ouais, j'ai l'impression que le haut. Là, ça va pas le haut là. Attends. Ah, il y a un trait noir ici là. On voit la moitié de l'écran. Attendez, faut que je modifie ça, c'est pas normal là. Attendez. Je vois. Là c'est image 27 hein. Je vois que là c'est un peu non, ça devrait être bon là. Non, ah c'est le bordel. Attends, non là c'est bon là. Comme ça non, c'est bon, c'est bon. Parce que j'avais mal fait la régler la caméra. On a dit qu'on faisait live. Hein. Arcade, je peux pas faire arcade. Si. The body. Après, on va aller sur Tatuel. Parce que j'ai rien d'autre comme jeu. Et on va voir les nouveaux circuits quand j'aurai mon argent. Je vais payer 30 balles pour avoir des. Pour pouvoir faire les circuits des clubs. Foiré! Ah ouais, c'est vrai, il est chaud ce circuit. Ça, c'est un circuit qu'ils ont rajouté, je crois, ça. On peut pas passer, c'est pas possible, c'est pas ici qu'il faut aller, alors.
Ils font comment? Oh non, c'est trop dur. C'est trop dur. C'est trop dur, circuit du jour, il y a quoi? Ah, faut payer, putain. Ah, il y a des circuits que j'avais pas fini là. Genre celui-là, là, j'étais bronze. J'essaye de faire des or. Ah, celui-là, il est chaud à faire en or. Il est chaud à faire en or celui-là. La caméra vous me dira si c'est. Vous me direz si c'est bien. Putain, je vais plus parler de la France. Ah, il y a l'énergie, je crois que dans le Discord, attendez. C'est pas grave, partez sur moi dans la course, c'est pas grave, je m'en fous. C'est pas grave. Putain. Je vais refaire en solo. Il faut que je m'entraîne en solo. Faire ça en solo. Au moins. C'est là que j'avais pas médaille d'or, c'est ça? Ouais. C'est là que j'ai pas médaille d'or. Ouais, parce que la grosse barre, je trouvais que ça faisait dégueulasse, du coup je l'ai enlevé. J'ai tout enlevé. Trop de temps qu'allié. Il fait un médaille d'or, c'est chaud. Hein. Ouais, j'arrive pas à faire médaille d'or. Hein. Putain. Putain, j'arrive même pas à faire médaille d'or. Ah, des bâtards. Putain, j'arrive pas. Je peux pas faire médaille d'or, c'est impossible. Médaille de bronze celui-là. Ah, mais il est chaud ce circuit-là aussi. Hein. Et monsieur Énergie ne répond jamais.
Chérie ne répond jamais. J'ai mal commencé déjà là. Allo? Bonsoir. Attends, je vais couper du tuer. Putain, j'arrive pas à faire or, ça me casse les couilles. Ça va? Ouais, je disais, lundi, ouais. Je paye le truc à 30 euros, tu pourras faire tous les circuits avec moi. D'accord. Tous les circuits en ligne. Eh, en fait, j'ai regardé un truc, toi. Ils essayent de t'entuber quand tu veux acheter le truc à 30 euros. Genre quand tu fais rejoindre un club sur le jeu, ils te donnent l'édition la plus chère alors que t'es pas obligé de la prendre. Tu peux prendre que 30 euros, ça suffit. Mais sur le jeu, ils te disent prenez l'édition à 60 euros. C'est des marrants, hein. Alors. T'es pas obligé de payer 60 balles, n'importe quoi. J'essaye de faire des ors là, c'est chaud. Oh. Alors, de nouveaux trucs, il est mieux sur la chaîne. Mon nouveau truc, il est mieux là sur ma chaîne. J'ai pas regardé trop, mais tu sais, quand t'es hors ligne, t'étais directement dit tuer. Non, non, je suis en live là. Ouais, mais quand t'étais pas en live, je pouvais pas voir. J'ai tout enlevé, tout ce qu'il y avait en haut, j'ai tout viré. Y'a que Utip. Et le truc en bas, faudra que j'essaye de trouver un truc à faire, je vais le faire moi-même. Le nom vers le bas. Ça c'est pour attendre le truc que j'ai mis. Hein. Ça fait plus propre je trouve. On recommence. Ça fait propre. Et énergie, je l'ai désinstallé hyper machin. C'est de la merde. Ça peut aller. Non c'est nul. Même pour attendre c'est nul. Moi je comprends pas les gens qui se forcent à faire le jeu. Je comprends pas. Tout ça pour gagner des gens. Énergie. Ouais. T'en as qui se forcent à streamer le jeu pour avoir des gens en plus. Et que ça sert à rien parce que ça ne rapporte personne. Bah si. Il y en a, ils ont je sais pas combien de personnes dessus. Je comprendrai jamais, moi, les gens qui font les jeux qu'ils aiment pas. Ouais, je dirais rien de plus. Il y a des trucs que je veux dire, mais je suis en live alors. Il n'y a rien comme jeu là, c'est vide. C'est vide. T'as vu, il paraît qu'ils vont repousser Cyberpunk parce qu'il y a un... Il paraît que les doubleurs français, ça serait plus tard la doublure française. Je sais pas, il n'y a rien d'annoncé sur internet. Bah c'est pas grave, au pire on jouera en anglais, hein, je m'en fous moi. Si c'est en anglais, il y a le sous-titre, je m'en fous, moi. Ouais, moi aussi, hein. Ben, ça coûte cher, les sous-titres, hein. Les doubleurs, hein. Ouais. Ça qu'ils comprennent pas, les gens, des fois, ils font « Ah, mais c'est pas en français, c'est de la merde !» C'est comme il y a des jeux sur Steam qui ont pas été traduits depuis je sais pas combien d'années, hein. Ils ont même pas été traduits, les trucs, hein. Je comprends pas ce circuit, là. Des fois je bats mon record, des fois non, des fois oui, des fois c'est rouge. Ouais c'est pareil. Je t'invite. Non je vais pas y jouer ce soir. Hein. Je suis en train de regarder une série. C'est surtout le truc ralenti qui me casse les couilles là tu vois. Regarde. Voilà, le truc ralenti, il te pète les couilles, il te ralentit. Voilà.
Et après, je vais aller sur le jeu de la rage. Et du sel. Je vais aller chercher la salière après. Et en plus, on m'a dit, hein, j'ai demandé au créateur, ils m'ont dit c'est. Il y a qu'un seul boss, c'est ce boss là, le boss de la bêta. Ça veut dire j'ai même pas battu le boss de la bêta, t'imagines sur le jeu final. Mais c'est pas au début du jeu hein, ça, hein. Ça c'est. Ça se passe je sais pas combien d'heures après, je pense. Parce que vu que j'ai déjà la deuxième classe qui se débloque, je pense que moi je suis plus loin au début du jeu. Ah, si j'arrive pas à trouver le premier boss de la bêta, ça sert à rien que j'achète le jeu. Elle pointe, par contre j'ai réussi à le tuer le boss de fin. De la bêta. Mais c'est pas. C'est plus. C'est beaucoup plus dynamique, elle pointe. C'est pas pareil. Quand tu fais des roulades et tout, c'est hyper rapide. Je comprends pas ce circuit là. Et je suis pas prêt de faire toutes les médailles or, moi je te dis. Par contre, j'en ai marre. Franchement, les musiques que je mets copyright, non copyright, elles sont pourries. Franchement. Ah, ça. Désolé pour les musiques de merde, les gens. Il n'y a pas de problème quand c'est en live, si c'est pas dans les clips, c'est bon. Je peux mettre une musique si je veux. Même, t'as entendu DJ ce qu'il a dit, même en live, faut pas mettre de musique copyright. Ah bon? Sinon lui, il peut se ban, hein, pour ça. Ah, argent, enfin. C'est bon, j'ai compris, faut pas appuyer sur l'accélérateur quand t'arrives au ralenti. Ça y est, j'ai compris, énergie, alléluia! Bon, je regarde ma série, mais je finis. Comme je te le disais tout à l'heure, j'étais obligé d'annuler des jeux, moi. Ouais. J'ai annulé Serious Sam 4, Fairy Tail et je sais plus quel jeu là, que je voulais faire. Ouais, je te comprends. Parce que ces connards, ils prennent des frais, alors. Ouais, ça a toujours été ça, des frais qu'ils prennent dans les banques, hein, ça a toujours été. Hein. Toi aussi, tu sucres énergie de la banque. Ah, monsieur énergie. Il se fait sucrer aussi. Allez, on recommence. Ah merde, j'arrive pas. Énergie m'entend plus. Voilà, on l'a perdu. On a perdu le Normand. Ah, monsieur, énergie, c'est un papy. Ah, tu vas te coucher? T'as pas vu la nouvelle série sur Prime Vidéo là? Si, je suis en train de regarder. Avec les trucs. Avec le mec de. Un genre de. Comment ça s'appelle? Je sais plus comment on appelle ça. Le monstre de. Merde! Du marais. Du marais, voilà. Si, et franchement, j'aime bien. C'est Amazon qui a racheté les droits du film. Bah, il avait été repoussé avec le Covid. Hein. Il devait sortir en France. Hein. Bien avant. C'est un film de. C'est une série de 2019, hein. Ils sont en retard. Hein. Ouais, mais aux États-Unis, dès qu'ils ont passé le premier. Hop, ça a été supprimé parce que ça marchait pas assez bien, ou je sais pas quoi. C'est Amazon qui a racheté les droits. Mais non, sur Amazon États-Unis, je te parle, il est sorti en 2019 sur Amazon États-Unis. Ouais, mais ça n'a pas marché à fond. Merde, les gens ils aiment rien. C'est pareil, les gens qui aiment pas la fin, ils. Ah, j'ai arrêté The Last of Us parce que la fin est pourrie. N'importe quoi. Ah, tu vois, Ghost of Tsushima, tout le monde va le critiquer. Ah, mais y a pas de carte, tu sais pas où faut aller, c'est de la merde. On parie? Oh, c'est sûr. Ah, je peux accélérer quand j'arrive là, ok. Attends, j'ai trouvé une technique. En fait, quand t'arrives entre les deux trucs, tu peux accélérer. Ok, faut que je recommence.
Putain, laisse tomber, tu... à 5h du mat, je suis encore en train de faire le circuit. Hein. Et je sais pas comment ils font les mecs pour faire que des circuits en or. Ils ont toutes les médailles or, les mecs. Ah, encore une musique de merde, désolé les gens. Hein. Parce que si je mets du Slipknot, là, je vais me faire ban. Hein. Alors si je mets du Slipknot, là, je vais me faire ban. Ou sinon je mets la musique. L'avion. Ah, énergie. Je mets l'avion. Allez, médaille d'or là. Connard de jeu. Putain, il manque 10 secondes. Quoi, j'ai fait un faux départ. Tu te fous de ma gueule. Ah ouais, faux départ. Mais c'est quoi ça? Est-ce qu'il faut que j'arrive à 0,40 au truc? C'est impossible. Comment tu veux arriver à 0,40 là-bas? Ah là, pour l'instant, je fais que du bleu, là, pour l'instant. Tu vois, je me suis cogné, j'ai raté 1,36. Oh là. C'est insupportable, ce jeu. Voilà, j'ai perdu 1,0988. Moi j'arrive pas. Je sais pas comment ils font les mecs pour faire en noir. Regarde là, tu vois, j'ai 10 or. Il en faut... le reste c'est que argent, bronze. Argent c'est quoi que j'ai eu là? Ah c'est ça. Celui-là, je connais ce circuit. Je sais pas pourquoi j'ai pas fait or. C'est incompréhensible leur truc. Ah, ta race. Ta race, le jeu. Ah ouais, je me suis arrêté à l'épisode 2, moi je me suis endormi sur la série là. L'épisode 2, il m'a endormi, moi. De qui? De la série là. Oh, moi je trouve bien. Non, mais il me faut des séries où ça bouge, moi j'arrive plus, moi. Si les séries elles bougent pas assez, moi je m'endorme. Ah, pas moi. Mais je fais or, putain, je veux faire or. Ta race. Ah, je me suis cogné, j'ai perdu du temps là, voilà. C'est mort pour le or là. Là faut rater aucun virage en fait. Même pas or, vas-y.
Putain, énergie. Pour faire le or, faut que je vois 0,56,00. Je suis à 0,59,324. T'as vu l'arnaque? Bon, les gens, je vous le dis direct, hein, vous allez payer vos jeux PS5, Xbox Series à 80€. Mais comme j'ai calculé l'énergie, ça veut dire que sur Amazon, les jeux qui étaient à 60€, 59€, ça sera 10€ de plus à chaque fois. Alors tu vas le payer, comme tu le voulais moins cher sur PS4 et tout, tu l'auras au prix en fait. Sur Amazon, tu l'auras à 70€ au lieu de 80. Bon, au pire, moi j'achète pas de PS5 hein, et je joue au jeu sur la PS4. Hein. Parce que attention, les gens, ils ont pas dit qu'ils sortaient plus les jeux sur PS4 et Xbox One. Hein. Ils ont pas dit qu'ils les sortaient plus. Hein. J'ai fait or ou pas? Non! T'es sérieux? Énergie se fout de ma gueule. Je fais 0,50. Ah, 57. Salut JC. Ouais, sur PC ça trouve toujours moins cher. Attends, on va recommencer le circuit. On va recommencer le circuit. Ouais, il joue pas. Il joue pas à Trackmania Energy. Il est fatigué. Pas ça. Je regarde Monsieur D. Il est KO. Ah ouais. Il y a un certain truc qu'il va pas dire, on va dire. Voilà. Ah putain, à 10 secondes près. Putain. Moi je fais quoi en solo JC aujourd'hui? Attends lundi parce que je vais avoir tous les circuits. Parce que je vais payer 30 balles. Parce que tout le temps du même circuit, ça me fait chier, moi. J'en ai marre. Ouais, ils ont fait exprès, c'est des malins. Ils ont fait exprès, ils ont dit tiens, ils vont en avoir marre de faire tout le temps le circuit, il va payer 30€. Ouais, je sais pas, j'aurais mis de base 60€, hop, tu payais le jeu, et voilà, il y avait tout dedans, et voilà. Hein. Parce que faire payer des forfaits. C'est genre là, tu payes un an, faudra repayer encore 30€ pendant, un an plus tard. Presque. Ah, j'aurais pu. C'est 0,56 le en or. Ah ouais, je suis parti de ce circuit là, je parle. Moi. Genre le circuit de Gérator par exemple. Tu veux le faire là, tu peux pas le faire, regarde, faut payer. Hop. Édition standard. Et là, regarde, l'arnaque qui te font Ubisoft, tu vas rejoindre un club. Regarde ce qu'ils vont te dire. Alors que t'as juste à prendre l'édition à 30€. Tu rejoins, ils te mettent. Ah, prenez l'édition club à 60€. Alors que là, tu vas lancer pour le circuit, regarde. Rejoignez les activités du club public. Tu vois? Payer plus cher, ça me ferait du bien. Et là, hop, tu vas rejoindre un club, il va te mettre l'édition à 60€. Alors que là, t'as la même chose, regarde, rejoignez les activités du club. Et voilà. Et participer à l'Open Grand League, mais je participe pas à l'Open Grand League, moi je m'en fous. Attends, on va refaire circuit, j'ai fait en bronze là. Moi c'est pas toujours à se plaindre, mais c'est de l'arnaque je trouve. Payer du multi, c'est de l'arnaque.
Alors que déjà on paye notre abonnement internet. Et c'est pour ça que sur PS4 moi je joue plus en ligne. Parce que moi c'est bon, hein, je peux pas payer abonnement PS Xbox, abonnement PS4, abonnement PS5. Et en plus il paraît énergie la PS5, tu pourras pas jouer en solo ni en multi si t'as pas pris ton abonnement. Faut voir, hein, c'est des on-dit, je me méfie. Non c'est pas on-dit, c'est vrai. Rien n'est vrai tant que c'est pas fait. Mais ils l'ont dit. Énergie, il paraît que ça sera 400€ la Xbox et 500€ la PS5. C'est possible. Xbox peut faire des prix comme ils veulent. Ils ont le droit. Parce que Xbox c'est Microsoft. Et Microsoft c'est une grosse boîte. Faut aller où là, je me rappelle plus. C'est en haut. C'est plus haut le truc, tu l'as loupé. Ah oui, putain, ça glisse à chaque fois, je peux pas y aller. Essaye de faire un meilleur record ici en fait. Ouais, tu vois, j'arrive pas. Des fois ça passe, des fois ça passe pas. Franchement, les musiques là, j'en ai marre, c'est nul. Dans 2 secondes, je vais mettre du métal. Non copyright. Ah, c'est de la merde, Hyperspace. C'est de la merde. Et attends, il y a un truc que je comprends pas, Energy. T'as vu sur Twitter, il y a déjà des gens qui ont Ghost of Tsushima. Je comprends pas là. Franchement, je comprends pas. Ouais, je cherche pas à comprendre. On est même pas le 17, les mecs, ils ont déjà le jeu. Ouais, mais pour le tester, peut-être. Non, 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 non. Des versions piratées. De toute façon, les gens aussi, ils vont se rigoler, et puis ils vont pas streamer parce que c'est interdit. Non, il y en a certains, ils ont. Non, il y en a certains, non, c'est pas du test. Hein. C'est la boîte qui envoie le jeu. Non, mais ça doit être des mecs qui connaissent les gens de la boîte, c'est tout. Ça doit être des gens qui travaillent à Sony, qui connaissent l'autre personne, et hop, il doit passer le jeu. Bah, tu vois, il a pas le droit de le stream. S'il stream, il fait dégager le mec. Hein. Ah, mais tu vas voir, il y aura plein de mecs qui vont l'avoir le 15, le 14, tu vas voir. Bah, tu vois, moi j'irai pas voir, je veux pas me spoil. Hein. Énergie. Moi j'irai pas voir, il y aura pas de spoil. Hein. Mmh. Et ceux qui spoil sur la chaîne, je les ban direct. Ban définitif. Permaban. Bon, je préviens les gens. Quand je vais faire du Ghost of Tsushima, c'est permaban ceux qui spoil et qui backseat. Parce que moi je veux rien savoir. Et je veux pas qu'on me spoil Trackmania. Énergie, tu me spoil pas les circuits, Énergie. Hein. Je veux pas que tu me spoil les circuits de Zerator. Hein. Je veux rien savoir. Je m'en fous, c'est un gros coup de com. Ça me fait chier de pas avoir le jeu. Déjà Amazon ils mettent 3 jours de retard sur les commandes et je vais voir les gens le faire en avance. Ah moi j'irai même pas voir. Eh hey, t'as vu l'autre ça fait 14 jours, il est toujours pas revenu. Hein. Qui? La personne qui a été. Le streamer qui a été ban. Qui a été ban 14 jours, il est pas revenu. Hein. Ah bon, t'es sûr? Ah oui, on est le 4, je suis con.
C'était pas au mois de juin qu'il a été machiné, non? Je sais plus, c'était le combien. Je comprends rien à ce circuit, énergie aide-moi. Faut aller où? J'ai trouvé, faut aller là. Mais ce circuit est infernal. Infernal ce circuit. Médaille d'argent. Je suis un pro énergie, médaille d'argent. Énergie, tu vas l'acheter la PS5 ou pas? Grande, si t'as regardé le 2, t'as vu les démembrements. C'est vraiment grand gore leur truc. Regarde, est-ce que tu vas la prendre la Xbox Series même si les jeux sont à 80 balles? Je vais commencer à titiller un peu le truc. Hein. Ça va commencer à titiller. Ouais, parce que 80€ le jeu, ça fait cher. Hein. Mais c'est pour ça, moi je te disais, ça sert à rien d'acheter une Xbox, moi j'achète pas d'Xbox, j'ai joué sur PC à tous les jeux qui arrivent. Mon PC là il est encore bon, hein. Là il est encore bon pendant 3 ans mon PC. Ah, ça me fait chier de payer 500 balles, là je peux acheter une carte graphique à 500 balles. Ça se trouve je pourrais acheter une... Ça se trouve je pourrais prendre une 2080 Ti, elles seront moins chères ça se trouve. Ça se trouve je pourrais en avoir une à 500€ alors. Si j'achète la Xbox... Je vais te vénère après. Je suis d'accord, j'ai acheté la Xbox et j'ai une carte graphique à 500€. Ce qu'il faut pas croire, hein, c'est... Les gens, ça sera pas des 3080 dans la PS5 et la Xbox Series. Hein. Faut pas croire. Hein. C'est des cartes graphiques pas chères, hein. Sinon ça serait plus cher la console. Hein. Énergie. C'est pas des 2080 Ti hein, dans la PS5 et la Xbox Series, hein. Sinon ça serait plus cher la console. Ça serait vraiment plus cher. Et qu'ils nous disent pas, c'est plus cher parce qu'il y a un SSD. Non. Tu prends un SSD 1000Go, c'est pas cher. Sur ça, moi j'attends avant. Par contre, si y a Xbox Series X, il y a des exclus, je la prends. Et la One X, je la mettrai en vitrine. Le problème, c'est que... Énergie, je pense pas que je pourrais prendre la série X parce que si les jeux sont à 80 balles, c'est mort. C'est mort. Faut voir, c'est des rumeurs. Non, c'est pas des rumeurs, non. Ça sera 70€ le jeu que tu payes normalement Micromania, ça sera 10€ de plus. C'est possible, hein. Et c'est pareil, Amazon, genre si le jeu qui était à 59,99€, t'auras 10€ de plus dessus. Tu paieras 70 en fait, au prix que tu voulais pas payer sur Amazon. Et t'as vu qu'Instant Gaming a été racheté, les jeux sont plus chers. Sur Instant Gaming. T'as plus de taxes. Non, j'ai pas fait attention. Mais ça, on s'en fout, ça. Sur Instant Gaming, tout vert, ça a toujours été moins cher. Par contre, là, mettre 10€ de plus sur tous les jeux, voilà. Sur les jeux PS5 et Xbox Series, là. C'est un peu con. Bah oui, j'y sais, hein. Tous les jeux console PS5 Series, là ça sera 10€ de plus sur tous les jeux. Parce qu'ils disent ça sera certains éditeurs. Mais non, ça sera tous les éditeurs parce que les mecs, s'ils veulent de la thune, t'inquiète pas, ils vont pas dire non. Hein. S'ils veulent mettre 10€ de plus sur leur jeu, ils vont le faire.
C'est sûr qu'Ubisoft ils vont le faire, ça c'est sûr. Ils vont nous mettre Assassin's Creed Valhalla à 80 balles sur PS5 et Series X. Mais à ce que j'ai compris, par exemple, moi j'ai acheté. Si j'ai acheté Valhalla sur Xbox One, je vais l'avoir sur la Series X. Gratuitement. Mm. C'est ce que j'ai compris. Ouais, ouais. Même si j'ai acheté en boîte. Allergie, même si j'ai acheté en boîte. Parce que s'ils voient que je l'ai installé, la version Xbox One sur ma. Dans ma chambre. Bah, normalement, ils te le donnent gratuit. Hein. Ouais, à moins que ça marche que en démat. Si ça marche que en démat, c'est con. Je me serais fait niquer. Sans citer de source. Si, il y aurait quelques taxes en plus, mais c'est vrai, ça, sans gaming, on s'en fout, c'est toujours été pas cher les jeux. Moi, c'est juste pour les consoles PS5 machin qui m'emmerdent. Ils ont cru qu'on était riches, les mecs. Le mec est dans un studio et qui paye son loyer, je sais pas combien, il va pas payer 80€ son jeu. Hein. Energy, on est d'accord. Un mec qui est dans un studio qui paye cher son loyer, il va pas acheter un jeu à 80 balles. Ah, j'aime bien Energy, il me répond pas. Monsieur Energy. Et t'as ouais. Ouais, je disais, un mec qui est dans un studio, il va pas payer son jeu 80 balles. Oh bah ben non. Ah, tu vois, vu les prix à Micromania, il y aura plus personne. Et personne va acheter leur jeu à 80 balles. Personne. C'est sûr. Déjà 70 balles, les gens ils serraient le cul. Alors là, Micromania ils vont pleurer. Hein. Mm. Ou ils vont casser les prix. Ils vont peut-être casser les prix. Hein. Je pense que Micromania ils vont le faire. Hein, parce que je pense qu'ils veulent pas. Déjà ils ont des magasins qui ferment dans d'autres pays. Ils veulent pas, je pense. Hein. Je pense qu'ils vont casser. Hein. Ils vont mettre 10€ de moins, je pense. Ah, par contre, moi, s'ils font un truc à Micromania, genre je leur donne mon jeu Xbox One X de Valhalla et que je l'ai sur la Series X, je prends. Hein. Ils l'ont déjà fait, je crois, ça, en plus. Energy, c'est pas sur, sur Ghost, Call of Duty Ghost qu'ils a fait ça, là? Genre, quand tu l'avais sur 3.6, tu l'avais sur One X, après? Je crois, hein. On verra, on verra. Peut-être ça va rester comme ça, on s'en fout. Bref. Et c'est aux 5 personnes qui arrivent, j'espère que vous allez bien. Bah on verra ça en novembre. Tout de même, ils vont mettre les prix des jeux et les prix de la console tout de même au mois de novembre. À énergie. Et par contre, il paraît qu'il y aura la précommande de la PS5 le 13 juillet. Précommande de PS5 au 13 juillet, Energy. Ouais. Tu pourras la préco sur Micromania. Sur Escromania. T'aimes bien Escromania, Energy? Ouais, pour commander les consoles, Escromania est très bien. Ouais. Mais pour les jeux, c'est pas chez eux. Bah, surtout si ça augmente de 10€, là, c'est encore plus de l'arnaque. Escromania, ils adorent vous escroquer. Ah bah là si c'est 10€ de plus là oui là. Bon pire j'irai acheter mon jeu à Carrefour. Hein. Ouais ou à Leclerc.
Ouais, je vous dis, c'est pas possible, ça sera pas 10 euros de plus, les gens ils vont gueuler. S'ils voient, les gens s'ils voient des jeux en précommande à 80 balles, ils vont faire. Et ça va gueuler sur Twitter, moi je vous le dis direct. Et après il y a UFC qui veut que choisir, qui vont rentrer dedans, ils vont pas comprendre. Ah c'est ça l'énergie pour les trucs c'est UFC que choisir je crois. Tous les trucs de jeux vidéo, de bouffe, de machin. Non? C'est quoi énergie déjà? Je me rappelle plus du truc. Je sais pas. Qui machine c'est pour les trucs les gens qui achètent et tout là. Merde, je me rappelle plus. C'est un truc comme ça je crois. Maintenant le problème c'est... Oui c'est méga cher mais il y en a qui vont te dire... Ah non ça va! Ça va parce que c'est... C'est sûr. Hein. Les gens qui sont blindés, ils n'auront pas ce problème et on dira, ah, bah, c'est bon, 80 euros, c'est rien. Bref. Ah, ça m'énerve, ça m'énerve. Si c'est vrai, ça m'énerve. Ils ont dit pour certains éditeurs, mais moi j'ai un doute. Hein. Oui, t'es bien sur PC, JC, mais... Si tu veux le nouveau Horizon, il sera pas sur PC. Si, il sera sur PC dans 2 ans. Tu vas le faire, toi, NRJ, Horizon Zero Dawn sur PC? Non. Bah bon. Ah, t'as pas envie de jouer au clavier? Non, j'ai pas envie de dire jouer en plus, je l'ai déjà. Mais tu peux jouer en 123 FPS. Tu peux mettre le jeu en 123 FPS, NRU. Ils l'ont dit là, il a montré sur le trailer, t'as pas vu la vidéo que je t'ai envoyée? Tu pourras jouer en 123 FPS. 2K et 4K. Bon, ce circuit me pète les couilles. Ce circuit me pète les couilles. On en 18 plus, je peux dire pète les couilles, hein, c'est bon. Moi j'ai plus confiance aux gens là, parce que après il y en a qui vont te clipper, qui vont dire ah il a dit je m'en bats les couilles. Alors du coup maintenant c'est en 18 plus. Ouais t'auras quand même des gamins qui vont créer un compte. Pour t'emmerder, hein, à énergie. Énergie s'en bat les couilles. Bon, ça va les couilles, ça va les couilles, ça va les couilles. Ah, on va payer nos jeux 80 boules. Ça faut précommander maintenant, comme ça tu paieras pas 80 boules. Bah ça sert à rien d'avoir 2 fois le même jeu si je l'ai fini. Ah franchement, si je finis Ghost of Tsushima, Assassin's Creed et Cyberpunk, je les rachète pas moi, ça sert à rien. C'est le même jeu. Ça m'intéresse pas. Si j'ai fait 400 heures sur Cyberpunk et je le refais sur l'autre console, ça m'intéresse pas moi. Si vraiment le jeu il est bien, oui, mais sinon non. Parce que Horizon Zero Dawn, si j'aurais pas aimé, j'aurais pas pris sur PC. Ah, mais ceux qui l'ont en boîte, je crois que ça va être l'arme. Ils vont l'avoir dans l'os. Je crois que c'est que ceux-là qui ont des maths. Qui vont la... Non, en CD, pareil, je crois. Ah bon? Mm. J'espère. Au pire, Cyberpunk, je le garderai de côté, je le ferai pas au pire. Je ferai direct la version PS5. Parce
que moi je l'ai acheté sur PS4. Du coup j'aurai la version PS5 gratuite de Cyberpunk. Regardez. J'ai pris le collector de Cyberpunk sur PS4. Tu penses que je l'aurai sur PS5? Oh, je pense. Ils vont te mettre un équivalent avec les mêmes contenus, je pense. Parce que là, genre, j'active mes bonus là sur Ghost of Tsushima, Cyberpunk, que j'aurai dedans, je pense. Non, c'est parce qu'il regarde une série en même temps, il n'entend pas. Parce que l'énergie, il a un casque de merde. Il a un casque caca. Et sinon, vous, ça va? Non, ça va pas. Non, ça va pas, énergie. Allez, c'est parti. Parce que tu réponds pas. Ah, c'est Pépé machin là? C'est Pépé Ward? Ah, tu regardes Pépé Ward? Ouais, il parle d'écran 2K là. Des écrans que tu pourrais pas te payer encore? Ouais, les écrans 120Hz 4K. Il a parlé d'un écran, mon petit gars, tu pouvais jouer au PC ou console dessus? 40 000 euros. Magnifique, mais le prix, j'ai pas regardé, j'ai même pas écouté le prix tellement ça allait me brûler les oreilles. Si, écoute. Je rigole. 2000 euros de bestiaux, sûrement. 2000 euros. Ah bah, c'est un bel écran. Pépé World, pour une petite news. Vous verrez pendant l'été, j'essaie des petites news sur la chaîne, des trucs tournés sur un fond vert. Un peu tout le travail, un petit qui nous permettront de discuter entre nous. Ah, ta race! Et là, cette semaine, j'ai vu un truc arriver qui m'a fait tilt. Je pense que ça vous a fait tilt, si vous êtes au courant. La marque Xiaomi qui avait déjà lancé en Europe Xiaomi. Des LCD. Ah, oui, c'est Xiaomi, d'accord. OLED 65 pouces. Donc, on s'est dit toujours, là, Xiaomi, c'est des produits à pas cher et autres. Et là, 65 pouces et de l'OLED. Donc, ça m'a vraiment donné envie d'en parler parce que ce n'est pas la première marque qui est en 4000 euros! Canon des téléviseurs. Il y a Huawei, qui a fait 4000 euros en Chine. Je vais d'abord essayer de péter l'ambiance. Bah déjà, t'as vu le prix des écrans 8K au Japon? Pour le moment, pour la France, en 2020. Il n'est pas dans le planning français. Donc si ce point, ça sera en 2021. Voilà, il faut se faire caler parce que vous allez me demander, oui, Pépé, faut le tester, yo. 2021. À ma connaissance, ce téléviseur est proposé en France. Il a dû déjà le tester, je pense. En Chine, au tarif local, converti d'environ 1700 à 1800. Tu joues à la PS5 là-dessus, ça doit être ouf, hein. Peut-être, je sais pas, mais plus. Et la riche, sur la PS5, ça doit être ouf. On a des caractéristiques techniques, vous allez voir que ce produit, sur le papier, est absolument étonnant. Il y a de quoi damer le pion à des grandes marques de téléviseurs. Damer le fion? Damer le fion? Qu'est-ce qu'il raconte? Une dalle 10 bits avec une luminosité de 1000 candela au mètre carré, donc une dalle récente, hein, parce que 1000 candela ce sont des modèles plus récents, avec une rémanence de la dalle inférieure à 1000 secondes, c'est normal, un modèle n'a pas de rémanence. Si vous ne connaissez pas l'aide toute plate pour le gaming, on va en parler justement tout à l'heure, il faut savoir qu'à ma connaissance, ce modèle est compatible HDR10 d'optimisation. HDR10? Il faut tous les HDR dessus déjà dans ces jeux. Alors concernant la colorimétrie. Moi j'ai pas d'HDR sur mes deux écrans moi. T'as de l'HDR sur tes écrans toi Nervi? Moi j'ai essayé de l'activer sur la Xbox One X, ça s'active pas l'HDR. La HDMI 2.1 est compatible PRR et ALLM en ultra. Je l'ai pas l'HDR moi. Seconde évidemment, HDMI 2.1 égale HDMI ARC. Également, quand c'est HDMI 2.1, c'est ARC. Voilà, c'est le haut diable de la HDMI. Donc, elle n'est pas complètement finalisée. Ah oui, c'est le nouveau HDMI. Il faut savoir que l'audio est mis en valeur. Le produit est compatible DTS et Dolby Atmos, carrément, avec 9 haut-parleurs en 2.1 ou 1.1. Médaille d'argent, ça y est! Alléluia, mes frères! 4 micros à bord, des micros longues portées. Si vous voulez donner des ordres, alléluia! Alléluia!
pas Alexa ou autre à bord, hein. Ils ont leurs propres œuvres en Chine, Xiaomi, avec leurs propres assistants. On change de jeu. Et sachez qu'il y a encore plein d'autres trucs intéressants. On change de jeu. 3Go, une mémoire de 32Go sur le téléviseur, il est Bluetooth en 5, il est Wi-Fi. Bon, je te laisse énervé. Je te laisse regarder ta série. Comme toujours, c'est super. Tu me diras le prix de cette télé là, je vais l'acheter direct. Ah, j'ai pris une télé critique 2000 euros, mais c'est la haute studio de gamme. Bah, je vais mettre de côté. Hein. Pour le, comme ça, pour jouer au jeu, ça sera mieux hein, sur le PC. T'es obligé de mettre des lunettes de soleil pour regarder le truc. Allez, bonne nuit. Ouais, c'est le blue. Bonne nuit. Bonne nuit. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme jeu? Je sais pas. On fait quoi? On fait quoi? On va sur Mortal Shell, Borderlands. Ta gueule, Arnaud. Battle Breaker, j'ai pas testé ça encore. Ta gueule, Arnaud, ta gueule. Allez, je vais essayer de tuer ce boss de merde. Allez. Salut Arnaud. Il y a un petit Paris-Brest qui m'attend, Arnaud, là. Je vais manger un petit Paris-Brest. Salut Arnaud, salut. J'ai lâché le gaz, ça pue. Oh non. Continue. Pardon. Tarnished the seal, qui item, but the ball, and the weapon the seal in son fidelity. Mortal Shell. On a dit quand t'es stack ce perso. Ouais. Je rush. Non. Ta mère la pute. On recommence. Que ça passerait avec ce perso. Je pense que ça passerait les gens. Maintenant
comme ça. Ça peut passer. Vas-y. Ça peut passer. Allez, sois sûr, on le tue, les gens. Vas-y, tape. Ah, ce perso il est bien, il est rapide, mais j'ai pas assez de vie. Par contre, ça use de la stam. Oui, il a fait. Oh, pire. Ah oui, j'ai la vie là, j'ai l'autre armure au pire après. Ouais, j'ai l'autre armure. On a deux armures les gens, ça devrait passer normalement. Une autre armure si je perds trop de vie. Elle est bien rechargée, tiens, très bien. Que la vie se recharge. On va le tuer les gens, on va réussir à le tuer. Je vous ai dit qu'on le tue aujourd'hui. Jean-Michel. Vas-y. Au pire, j'ai l'autre armure si j'ai plus de vie. Hein. Ou j'ai un champignon. Si je perds un peu trop de vie, j'ai un champignon et je me cache. Mais je pense pas que dans le jeu final, ça sera comme ça, hein, vu que c'est une bêta. Yeah.
Il devient vénère. A plus, j'y sais. Presque mort déjà, parce que je souffle un peu. C'est bon. Ouf. Pas grave, on reprend de la vie. Jean-Michel. Jean-Mimi. Jean-Mimi, il est énervé, hein.
On va reprendre mon perso de base. Tu as tué Grisha, la bête. La bête est à terre et il n'est plus. J'ai fini la bêta, ok. Ah, ça a fini comme ça? Tu tues le boss, c'est fini? Ou je peux continuer, attendez. Est-ce que genre je pouvais reprendre ma... Attends. Est-ce que le mec il m'a fait quitter le jeu? Et t'es pas obligé de quitter le jeu. Ou t'es obligé de restart? Est-ce que t'es obligé de restart? J'ai fini la bêta. Putain, si des boss sont chauds comme ça, ça va être... Attends, je regarde. Non, ce que je voulais améliorer pour voir ce que ça donne d'améliorer. Est-ce que je peux améliorer? Est-ce qu'il m'a, il m'a remis où il y a la dame? Ouais, parce que là, il me fait quitter. C'est débile. Ah, voilà. Sip this and you'll see. Ah, les bâtards, putain. Ah, faut que je me barre de cette zone, ça veut dire. Attends. Ouais, je peux pas retourner dans cette zone. Ok, attends. J'ai compris, je peux pas rentrer dans cette zone. Faut que je ressorte de la zone. Faut que je ressorte de la zone. Ah, pour passer tout, ça va être chaud. Hein. Si je crève, c'est foutu. Genre, tu fais continuer, faut sortir de la zone, en fait. À sortir de la zone. J'ai pas le temps avec toi. Alors, qu'est-ce que j'ai looté? Moi, je vais les machiner mes âmes. On va rusher hein, jusqu'à la... l'endroit où je voulais donc. C'est quoi? On peut pas revenir ici? Ah si, je sais ce que je vais faire, je suis con. Je suis con. Bah voilà. Tout simplement. Non, c'est pas lui que je veux voir. C'est l'autre. Je veux voir l'autre dame. Je vais pas y retourner. Ah, c'est fini, hein. Il n'y a qu'un boss en fait. Ah, je peux pas genre remonter ici. Je peux pas retourner ici. Genre mes âmes, ça sert à rien en fait. C'est fini, il n'y a plus rien après. Ah, fais gaffe avec ces mots-là, bûcheron. Hein. Ça va et toi? Ah, ça m'énerve, je vais aller mettre mes points, je peux pas, je suis bloqué. Ah, dès que je parle à la dame, il me sort du jeu. Retourner ici.
Genre je peux pas retourner ici pour faire mes points. Je vais voir ce que ça donnait mais... Bah voilà, bah c'est fini. Hein. Bah voilà, on a fini la bêta les gens. On a fini la bêta. Pas si compliqué que ça le jeu hein, quand tu rush t'enchaînes. En fait j'avais pas la bonne classe. J'avais pas la bonne classe. T'as vu mon nouveau truc bûcheron? Nouvelle scène. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que moi j'ai plus rien comme jeu là les gens. À part du Trackmania, c'est tout ce qu'on a. Je n'ai rien reçu. Mais arrête de dire des conneries, Arnaud! Il sortira jamais, Plague Tale 2. En 2022, je pense. Allez, on va se regarder une petite bande-annonce. Que j'ai déjà vu 50 fois, mais c'est pas grave. Tu es un samouraï. Tu es lié à un code. Vivre, te battre et mourir avec honneur. Si tu t'écartes de cette voie, que deviendras-tu? La tempête approche. Jin! Jin! Allez, Jin! PlayStation! 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 PlayStation. 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 Du coup, je ne sais pas ce qu'on va faire. J'ai rien comme jeu, putain. C'est sur Steam, je crois que j'ai un jeu, attendez. On est sur Steam. On est sur Steam. Ah, il faut que je fasse la scène, attendez, parce qu'après ils vont faire chier. Ah, ça me fait chier, la bêta elle est courte. Elle est courte leur bêta. J'ai peut-être un jeu là sur Steam. J'ai peut-être un jeu sur Steam. J'ai peut-être un jeu sur Steam.
Et peut-être un jeu sur Steam. Ça manque de musique. Ça manque de musique. Alors, j'ai Darksburg, Dungeon 3, and Shutdown. Un jeu qui marche plus. Si, je crois qu'il marche encore. Hein. Il marche encore, je crois. Attends. Est-ce que le jeu marche encore ou pas? Attendez deux secondes, je teste un jeu pour voir s'il marche encore. Si je peux encore y jouer. Attendez, je regarde s'il marche déjà. Est-ce que la bêta marche encore? Ça, j'aimerais savoir. Attendez deux secondes, hein, je teste un truc. Je regarde si la bêta marche encore. Est-ce que ça marche encore? J'ai un doute. Non, marche pas, il est bloqué. Il ne marche pas, il est bloqué. Il ne marche pas, il est bloqué. J'ai un Warhammer aussi, j'ai un Eren, c'est sur quoi lui? J'ai même pas encore testé celui-là. Le rogue robot. Pff, ouais. Mosaïque. Shadow of Tomb Raider. Oh, c'est bon, j'ai essayé ce jeu. J'ai combien de trophées là-dessus? Attendez. Putain, je fais masse trophée sur le jeu là. Je sais pas en fait les gens quoi faire, je n'ai pas grand chose. Il y a la démo de ça que je voulais tester. C'est vrai, il y a la platine de The Last of Us, mais j'ai pas envie de jouer à la console. Il y a Shadow Arena que je voulais tester, mais la qualité va être pourrie. Ça va pixeliser à mort, c'est pas la peine. Temtem, j'ai pas envie de jouer. Tesla Force non plus. Ça non. Ça, tiens, on va tester ça vite fait. Je sais pas ce que c'est, j'ai pas testé encore ça. C'est Warhammer. Warhammer 40 000 Mechanixus. Warhammer. From the moment I understood the weakness of my flesh, it disgusted me.
Ah merde! Ah merde! Attends, il est en français le jeu ou pas? J'ai l'impression que oui, on va voir. En mettant facile, hein, parce que je connais pas. Quarantième millénaire, une époque de ténèbres et de guerre. L'impérial l'homme revendique la galaxie entière au nom de l'empereur Dieu. Il y mène une guerre sans fin. Contre les Xenos. Extérieur de l'Imperium et les hérétiques à l'intérieur. Ok. Ce sont les technoprêtres de Mars, gardiens récupérateurs des technologies de l'humanité. C'est une époque de guerre, de tragédie, de présage, de malheur. Un écho dans la nanosphère, Magos. Ça fait longtemps que j'ai reçu, j'ai pas testé encore. C'est quoi, c'est un STR? Tu parles trop vite, monsieur, j'ai pas le temps de lire. Attendez, je mange mon Paris-Brest. Ah c'est bon, ah c'est bon le blabla, c'est bon, je suis sûr. Ça Esther. Ça a l'air nul. Oh, c'est quoi? C'est un jeu de cartes? C'est un jeu de quoi? C'est pas Esther?
Bizarre. C'est bizarre comme jeu. Je fais comment? Ils sont mes collègues, attends. Commencer la bataille, vas-y. Avancer le perso, ah si. Attends. Il peut pas le viser, super. Avec deux mecs, avec deux mecs. Attends, est-ce que là je peux l'avoir dedans? Ouais, je pense pas. Ouais, à travers la poutre, bah oui, pourquoi pas. Quelqu'un a compris quelque chose au jeu, hein? Technoprêtre. Hors de portée. Oh, bon.
Il va me le tuer, il va me le tuer si ça continue. On va mettre le point lui. Ah, je peux rajouter des... Ouais, il y a des tours aussi, hein. C'est pour ça. Je pourrais le toucher de là, non? Je vais reporter. Je vais reporter aussi, voilà. Je vais reporter. Comme ça, ils protègent les nécromanciens qui ont presque plus de vie là. Mais non, mais pourquoi il veut pas aller vers le. Ah voilà. Reporter, t'es sérieux hein? Porter encore. Ça va être long là, cette partie. Hein. Je suis pas assez prêt. Elle est morte, ok. Reporter. Je l'ai eu ou pas encore? Mais là, c'est indiqué. Ok. Ouais, c'est un peu bizarre comme truc. Warhammer 40 000, j'ai jamais vu de conneries des trucs comme ça. Hein. Bizarre ça. Je peux pas les soigner? Attends, est-ce que je peux les soigner? Non?
Va les soigner. Là, je suis obligé d'aller les tuer. Putain, mais j'ai plus de vie. J'ai plus de vie! Bah, je peux pas, Arnaud. Même si les soldes, y'a rien. D'accord, on va laisser tomber. J'aime pas, c'est mou, j'aime pas. J'aime pas. Bon. Pas pour moi. Je n'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout. Eh oui, je n'aime pas du tout. C'était nul. C'était très nul. Bon, ça part à des installations. Allez. Hop, hop. Shadow Arena, je sais pas s'il va en faire. Final Fantasy, faut payer, j'ai plus d'abonnement. The Isle, j'ai pas envie de jouer. Ran, j'aurais testé Ran. Ran Lost Island. Et Ran Lost Island. Petite découverte, comme ça après, on a vidé le stock de jeu. Tac. The Body. Non, par contre, je vais faire une pause après pour aller chercher un bois. Oui, autorisé. On va voir ce que c'est.
Je vais faire une pause, je reviens. Le temps que ça charge. Quoi? Ah bah ça marche pas. C'est réglé, ça marche pas. Ça part en désinstallation. Le jeu ne marche pas. Super. L'image elle est pas étirée, la caméra? Non? Non, c'est bon. Voilà, c'est parti en désinstallation. Ça, c'est un jeu, ça. Je sais pas si je retourne dessus, si je... Qu'est-ce qu'on fait, on va dessus? Ça, c'est un jeu. Je sais pas si vous allez kiffer. On va voir. Hein. On va voir, ça sera mieux que les jeux de merde que j'ai. C'était un jeu que j'avais acheté... C'est ton jeu, si j'avais rien, c'est Pripyat. Hein. Stalker Pripyat. Stalker Pripyat. Voilà, tac. Non, Pripyat, j'ai dit. J'ai pas dit. Aran. Et. Tac. Je suis sûr, énergie. Arnaud, il connaît pas ce jeu-là. Je suis sûr que Arnaud, il connaît pas. Mais le temps que je lance le jeu, on va faire une pause. Oui, 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 on s'en fout. Oui. Bon, bah, ça installe les trucs diurétiques, je vais mettre pause, j'arrive. Je suis sûr que vous avez jamais vu ce jeu-là. Je suis sûr que Arnaud ne connaît pas ce jeu. Les bûcherons n'en plus. Hein, tu connais ce jeu, Arnaud? Je ne pense pas. Allô, monsieur Arnaud est attendu à l'accueil, monsieur Arnaud. Monsieur Arnaud. Pouvez-vous balancer les réseaux, monsieur Arnaud? Les gens, ça va piquer les yeux. Ce jeu va piquer les yeux. Ah oui. Ah ouais. Ça rigole pas. 1220 par 1080. Rendu. Maximum. DirectX 10. 11. Appliquer.
Oui. Ah, redémarrage, faut que je retourne au menu. Faut que je relance le jeu. Il faut que je relance le jeu. Peux-tu balancer réseau, ce perno? J'ai buté ou quoi? Attends, je sais pas si on m'entend là. Je crois pas. J'arrive plus à me voir. Attendez, 10 secondes. Hein. Ah, le micro est activé, pourquoi Arnaud il m'entend pas? Alors là c'est bon, les options étaient mises. Est-ce que c'est en DirectX 11? Là c'est bon. Audio. Vous me dites si c'est trop fort, hein, sauf j'ai que ça. Musique dynamique. Débutant, parce que je me rappelle plus comment on joue. Je ne m'en rappelle plus de ce jeu. Vous allez voir, ça ressemble à Metro un peu. Ça ressemble un peu à Metro. Stalker Call of Pripyat. Monsieur Arnaud est attendu à l'accueil. Monsieur Arnaud est prié de mettre la commande réseau. Non, je lui montre le Paris-Brest. Allez, go! Charge le jeu, j'ai pas que ça à faire! Pas que ça à faire! À 1h23. Le 26 avril 1986, le réacteur du générateur numéro 4 de la centrale de Tchernobyl est détruit suite à plusieurs explosions. Le nuage radioactif qui en résulte survole la partie occidentale de l'URSS, l'Europe de l'Est et la Scandinavie avant d'atteindre l'Amérique du Nord. Les conséquences de cette catastrophe sont si graves que le gouvernement doit faire évacuer tous les habitants des villes et villages environnants. Une zone d'exclusion de 30 km est établie afin d'empêcher les civils de revenir dans la zone contaminée. Malgré la catastrophe, la centrale de Tchernobyl continue de fonctionner. Le Conseil des ministres de l'URSS décide alors de créer un réseau de laboratoires secrets dans la zone d'exclusion désormais désertée. Janvier 2006. Une lumière éblouissante enveloppe toute la zone d'exclusion et des nuages de vapeur s'élèvent dans le ciel. Après un instant de silence, des grondements sourds font trembler le sol. La plupart des forces gouvernementales qui gardent le périmètre sont tuées. Mais qu'est-ce qu'il fait? J'ai demandé de mettre la full PC, tu me mets la full PC quand je te demande. Et sur le coup. 2008. Les scientifiques sont toujours incapables d'expliquer ce qui s'est passé. Les expéditions dans la zone se terminent généralement en tragédie, et les rares survivants racontent des histoires incroyables d'animaux mutants aux capacités extraordinaires. Selon différentes estimations, la zone héberge en 2010 entre 100 et 300 individus non identifiés. Ils se donnent le nom de Stalkers, et survivent en récupérant des objets anormaux. Ah oui! Ah, ça pique! Ah! Ça pique! Ah! Ah! Ça pique! Ah! Ça pique! Ah! Ah, il y a un problème avec les commandes. Je suis obligé de faire comme ça avec le jeu, désolé les gens, il y a des petits problèmes avec ce jeu. D'accord. Ah. Ça pique. Ça pique les yeux.
Ah, je pensais pas que c'était. C'était comme ça. Hein. Ah ouais, ça. Ça pique les yeux. Hein. La jeu est bien faite par contre. Faut suivre la flèche jaune, je suppose. Je peux les esquiver. Ça picote un peu. Quand le jeu il lag. Pas grimper, t'es sérieux. J'aimerais bien savoir comment on fait. Ça range pas bon mon arme. Ah, c'est 1, ok. Salut. Salut. Le chef est par là. Va donc lui parler à lui. Ouais, c'est, on voit que c'est un vieux jeu qui date. Ouais, c'est un vieux jeu, ça, les gens. Range ton flingue.
Je t'ai dit de ranger ton flingue. Oui, c'est bon, j'ai rangé mon flingue. C'est mieux. Maintenant, approche, qu'on cause un peu. T'es con ou quoi? Recule avant que je t'explose. Il veut pas. Attends, est-ce que le véhicule il marche? Je pense pas. Attends. Attends. Merde, je peux pas le. Ouais, je vais chercher de la bouffe. Réfléchis. Ton chier. Je trouve où ta bouffe. Ouais, c'est bon, je dégage, c'est bon. Elle aime pas ça le jeu quand je fais ça, regardez. On va vite se faire chier le jeu sur le jeu, je pense. Ouais, il y a du chien, je vais peut-être tuer du chien. Manger. Et la radioactivité. Non, c'est pas. Non. On voit que c'est un jeu qui date. Hein. Mais on a fouillé ici. Tu retournes au bateau. Ok. Ouais, bref. Trop vieux. Trop vieux le jeu, c'est dommage. Trop vieux. Ouais, c'est dommage. C'est dommage, et en plus ça fait bugger la scène. Ça fait bugger la scène de live. Ça fait bugger la scène de live. Oh, je pense qu'on va arrêter le live ici, les gens. Je vous ai fait découvrir un jeu, mais il est trop vieux en fait. Le jeu il passe pas. Beaucoup trop vieux. On le désinstalle du coup. Beaucoup trop vieux ce jeu.
On va hoster quelqu'un du coup, les gens. Alors. Qui va tout hoster? C'était aussi pour faire live, pour vous montrer le nouveau truc. La nouvelle scène. La nouvelle scène. Et c'est quand on fera les nouveaux circuits de 6 là. Par contre, oui, jusqu'au bout. Parce que j'ai des jeux que j'achète, mais c'est que le 30 juillet. Et... C'est la merde. Oh. C'est la merde. Ah, je sais plus. Le papier. Je sais qu'il y a des jeux, c'est 30 juillet. Le 17. Je pense que le 6 on va faire les circuits et là, je pense qu'on va faire du Trackmania jusqu'au 17. Hein. Bon allez, on va hoster quelqu'un. On va hoster qui? On va hoster qui? On va hoster qui? On va hoster qui? Va hoster Arnaud. Va hoster Arnaud. Et je vous dis à plus tard.